Bonsoir, bienvenue au garage chez Steve Hill. Ce soir, nous recevons les deux Lux. Mais ils sont là! Anna! Mais voyons, Étienne, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes déjà là! Hey, je suis content de vous voir. Ah ouais? Je pensais vraiment pas vous avoir en avance, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? À 10h. Ouais, t'étais où, toi? Tu mettais tes petites bottes cubaines, c'est ça? Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, justement, j'ai trop donné dans les bottes cubaines. Gare aux bottes cubaines! Hein? Ouais, mais Étienne, il sait, quand tu joues du drum avec tes pieds, t'as comme pas le choix quand t'étais un one-man band. Moi, le talon. Justement, ben là, c'est ça, on fait comme un show à... Deux one-man band puis une joueuse de guitare ténor. Ça, c'est assez rare pour les gens à la maison. Ça, c'est une guitare ténor. C'est trois cordes, c'est comme... Quatre. Oui, c'est ça, trois, quatre c'est cordes. Un charango. Enlève-moi pas une corde, là, Steve. C'est un ténor. T'as la basse, t'as la guitare baryton, t'as la guitare puis la guitare ténor, c'est ça? I guess so, on a tout ici à soir, quand même. C'est vrai, on a tout ça, toi, t'as mis ta guitare la baryton, la chorale de guitare est présente. Ben, on se fait une toune. La seule affaire, je veux juste savoir, c'est quoi le petit. Ouais, qu'est-ce que c'est ça, le bonhomme? Ah, ça, c'est mon voisin, il est super fin. Puis, tu sais, on fait quand même du bruit pas mal ici, puis ça le dérange des fois, tu sais, l'après-midi.
puis il aime ça piquer un somme. Fait que des fois, quand on fait du bruit puis qu'il veut piquer un somme, on arrête, on lui donne une petite demi-heure, tu sais. J'avoue qu'il a l'air fatigué, des fois, on là. Arrête, là mais, il a vraiment l'air fatigué, le bonhomme. Oh là là, mais... Ben, il est un peu tanné des fois de nous autres. Là, mais, tu lui gardes on his toes, mais Steve, il va falloir lui dire que... T'sais, nous, on joue fort là, dans la vie, c'est pas négociable. Ouais, mais peut-être là. Qu'il est même pas là, nous autres, on va jouer. Puis, OK. S'il y a de quoi, il appelle. Hello! Ouais, c'est chez Steve Hill. Ouais, c'est juste pour vous dire que il y a un nouveau shérif en ville. Écoutez ça. Moi, j'aime ça, manger des œufs au miroir le matin, puis quand vous partez, votre moi, ça me fait faire des œufs brouillés. C'est pas idéal, ça, monsieur Hill. Ce que vous faites, là, des fois, ça me fait penser à du Hound Dog Taylor. Parce que Hound Dog Taylor, c'était drum, deux guitares, pas de bass, tu sais. Puis il y avait bien des bands de blues de même que dans cette bague-là de Hound Dog Taylor. Mais le plus grand de tout ça, c'était Hound Dog Taylor. Puis lui, il avait 6 doigts par main. C'est vrai, ça. Il y avait un petit doigt ici de plus. Qui marchait quand même. Qui fonctionnait. Puis de celui-là, il y en avait un autre, mais qui avait coupé avec un rasoir un soir parce que ça le dérangeait quand comme il jouait. Comme Van Gogh, là. Puis quand même j'ai tout le temps trippé cette tune-là. Give me back my wig. Honey, let your head go bald. Give me back my wig. Honey, let your hair go bald. Give me back my wig. Honey, let your hair go bald. No business, honey, buying you the wig at all. Taking me downtown, say $4.49. When I get down there, I swear, $9.99. Why don't you give me back my wig? Honey, let your hair go bald. À la pause. One, two, three.
pour un daiquiri aux fraises. Coconut bar pour dormir collé. Coconut motel Aku Aku Tropical Bamboo. Ah ouais, au coconut bar. Quand il sera rendu tard, on traversera de l'autre bar. Au coconut motel avec son bar. C'est qui pourrait dormir rêver mieux que le coconut motel. Fait que ah ouais donc, et puis ah ouais donc, et surtout ah ouais donc. Moi en tout cas, tu sais, quand je vous vois aller, tu sais, vous êtes un couple, tu sais, qui travaillait ensemble, qui fait, tu sais, que dans la vie, vous faites de la musique. Moi, Nancy est partie, tu sais. C'est ça me touche. Je sais pas, tu sais, des fois je me dis. Tu sais, j'aurais dû y acheter une guitare à la place de des ciseaux, tu sais. Puis, tu sais, ou peut-être j'aurais pu faire... Elle voulait faire son salon de coiffeur ici, tu sais. J'aurais pu faire le salon de coiffeur ici à la place de faire mon studio. Peut-être garage, peut-être j'étais égoïste, tu sais. Je sais pas ce qui s'est passé. On a fait une émission, puis elle était partie. Puis après ça, elle a dit, je suis parti, je reviens plus. Puis là, sorry, mon Steve. Ça me fait quoi de vous voir comme ça, tu sais? Oh là là! Mais tu fais un peu partie de notre histoire aussi, Steve. Tu sais, je pense que t'es un de nos band friends de plus longue durée, peut-être. On c'est se vrai croise que ça fait longtemps. Depuis très longtemps, on se croise. Hein, de pas mal un constant dans notre parcours au Québec, ça a été de croiser Steve de temps en temps sur un... C'est un plateau, fois, un concert. La première fois que j'ai vu Étienne, il faisait ma première partie, puis moi, je faisais la première partie d'un show. Un plan d'eau. De plan d'eau à Laval. Dévoilement. Ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait la première partie d'une fontaine d'eau. Ouh! Qui sait, c'était peut-être la jeunesse du Illumi, je sais pas trop quoi. Puis l'année d'après, une fontaine dans un centre d'achat. Vous étiez les deux dans une chorale. Puis c'est ça, vrai. C'est de même que je t'ai rencontré, parce que là, je connaissais Étienne, parce qu'il avait fait ma première partie avec les Buddy McNeils l'année d'avant. Puis là, je jouais avec Éric Lapointe, c'était la Saint-Jean à Laval, il y avait quoi? Combien tu dis? Je pense qu'il y avait 54 000 personnes. Deux autres, vous étiez dans la chorale. Ouais, c'était quand même puissé. Poussé par le vent. Ouais, la connexion petit cuir. Puis après ça, à Baie-Saint-Paul. Ah oui, le crucifix. Oui, on avait joué là, puis après ça, tu sais, la vie, il y a une expression qu'on entend souvent depuis une couple d'années, c'est « tout est dans tout ». Tu sais, puis tout le monde le dit, tout est dans tout, tout est dans tout. Mais des fois, je me dis, peut-être que c'est vrai que tout est dans tout, parce que la fois d'après qu'on s'est vu, c'est à Baie-Saint-Paul, puis après le show, on fait le show, puis là, on a du fun, puis après le show, on s'en va au bar, puis on veut écouter du Black Sabbath. Puis là, il y a comme, c'est un jukebox, puis il faut que tu payes pour, tu sais. Puis tu mets une pièce pour ta toune, mais si tu mets 3 piastres, tu chiffres tout le monde, puis ta toune devient le top. On a mis quoi, 8 piastres? Oh ouais, on a mis 8, 10 piastres à la gang, on se faisait toujours shifter notre Children of the Grave. On met 8, 10 piastres pour avoir Children of the Grave. Pour être sûr, là, de l'avoir. Puis là, à un moment donné, on l'a. T'es comme, yeah, ça part! Yo, on était ça partait. Pom, 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 pom. Steve, il commence à genre se balancer. C'est notre moment de gloire. Après le show, c'était comme Valhalla qui s'ouvrait. Ça fait 1h45 qu'on attend ça. Exactement, tu sais, puis qu'on se parle de Black Sabbath, puis ouais, j'ai hâte. De comment qu'on aime ça. Là, la toune à part, puis finalement, la serveuse a coupé notre toune pour mettre
Éric Lapointe. Par le vent, ton enfant revient. Et combien de fois en ligne? Elle, elle a mis genre 3-4 fois en ligne juste pour être sûre que personne n'allait entendre sa toune avant le close du bar. C'était rough. Elle voulait pas c'était qu'on une des affaires les moins rock qu'on a jamais vues. Steve, il était hors de lui. Steve, là, il faisait des backflips dans le bar. Il était comme, it's a classic, you can't do that. Steve, il était hors de lui. On était vraiment fâchés. Filed against c'était vraiment Crimes against music. Ça, c'est ça. Plus quand tu mets 8 piastres de Black Sabbath dans la machine, là. C'était notre treat. Tu veux Children of the Grave au complet. C'était plus cher qu'elles sont pina colada à Bessin Paul, je crois. On buvait des daiquiris. On était full pompette ce soir-là, je me suis Puis là, on s'était pas vu depuis... Après ça, on avait fait un autre show avec Belle et Bonne. Oui, une autre fois. Puis là, vous revenez d'Europe, là. Oui, on revient tout frais d'Europe. C'était le premier stop, c'était ton garage après 15 dates en France. De Paris à Béjoli. That's it. C'est où ça, Béjoli? Bien oui, c'est ici. Ah! Ben oui! Ah! Oh! Attends un petit peu, t'as cogné à la porte. Hey, Steve Kevin! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une livraison de pizza! Mais j'ai pas commandé de pizza, moi. C'est quoi ça? Hey! Tu connais, toi? Qui aurait cru? Qui aurait pensé? C'est le voix de Kiton, là! Kevin Paris, c'est ça? Non, c'est Jet Rotul, là. Tu sais, le joueur de flûte, là. Je connais pas, moi. Les entends pas. J'écoute pas bien, bien ça, la musique. J'écoute les Pink Floyd, les affaires de moi, mais... En tout cas... C'est un monsieur qui a appelé au restaurant. T'es sérieux? Où se travaille? Ouais. Puis il a dit, envoyez-y ça à cette adresse-là. Et voyons donc. Puis écrivez ça à moi. Baisse le sang! Ben oui, toi. Ben tu joues trop fort! Ouais, c'est, on joue fort, tu sais, mais c'est quand même une belle intention, tu sais, pour faire passer le message. C'est une super belle délicatesse parce que la pizza du grec, c'est la meilleure. Elle fait des heureux. À toi, oui, puis partout autour que ça descend, à Bézoli, écoutez ça. C'est. Les pizzas du grec, c'est. C'est Steve Kevin Approve! Steve Kevin Approve! Approve! Belle envoyure, elle grec! Bye, Steve Kevin, à la prochaine, là. Je vais pas croire à ça, là, mais le voisin. La face sur le téléphone? Oui, parce que là, t'avais décroché le téléphone, tu sais. Puis là, il appelle depuis tantôt, puis ça répond pas. Ben, il est quand même fin. Il nous a envoyé une pizza du grec. Puis il nous a dit d'écrire dessus baisse le son. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est aigre doux. On la mange-tu, cette pizza-là? Ah ouais, donc. Puis ah ouais, donc. Et surtout, ah ouais, donc. Ah ouais, donc. We'll be right back.
T'as un peu. Hey, j'ai oublié, tu te dis, ça venait avec une patate. Et d'en bas de la boucane, certes. L'année prochaine ou la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Donnez, monsieur Hill, qui ruine mes œufs avec mes taxes.